Bonjour YouTube, on va faire la tier list des plus beaux sapins de Noël. Et remercier encore une fois le boss Papa Bigito pour la préparation de cette liste plus ou moins en urgence. Hein. Il a fait ça en 5 minutes, hein, tellement la performance y est. Du coup, on va les classer de NSPP pour ne pas vexer. Ok, je pense que je vais voir la traduction dans le chat. Ah, je vous y emmène l'an prochain. Oui, c'est les villes aussi, ouais. J'irai bien là-bas, pas mal du tout. Trop ou pas assez, ouais, c'est les endroits où il y a les sapins. Ne se prononce pas, pour ne pas vexer. Ok, d'accord, très bien. Alors, on va commencer, du coup. Alors, on va le faire avec l'ordre du site. Ok, le premier, Grand Solem. Un sapin... Ouais, je sais pas de quoi il est fait, mais... Ah, c'est des bottes. Quoi, des bottes qui ont été recyclées. Vous avouez que ça me fait pas rêver plus que ça, quoi. Ça me fait pas rêver plus que ça, ce premier sapin. Le deuxième, Strasbourg. Le sapin de Strasbourg. Il est grand, mais il est décoré léger, je trouve. C'est ouais, un peu léger quand même. Hein. Le Strasbourg, il est où le 2? Il est là, Strasbourg. Pareil, un peu trop. Après, je réajusterai suivant comment je classe. Hein, vous inquiétez pas. Lisbonne, Portugal. Ouais. Ah, on peut rentrer dans le sapin. Ah, du coup, c'est pas un vrai sapin. Mais c'est beau. J'aime bien. C'est simple, efficace. Pas mal. Pas mal du tout. Franchement, ça va. Franchement, il est... J'aime bien les couleurs. Ça rend bien. J'aime bien. Ensuite, Budapest. Bah écoutez, ça me paraît plutôt clair. NSPP. NSPP. Ne se prononce pas. Ah non, c'est pas fou. Hein. Vilnius en Lituanie. Pour le coup, j'aime beaucoup celui-là. C'est bizarre parce que ceux que j'aime, c'est pas vraiment des vrais sapins en fait. C'est beaucoup de la déco. Ouais, je trouve qu'il envoie du pâté celui-là. Ça, j'aime beaucoup. Vilnius. J'irai bien là-bas. Un peu, mais guirlandes était belle. Sur celle d'avant. Ouais, encore. Ensuite, nous avons... Vienne. Quoi, c'est pour aller avec la couleur des lumières ou... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, c'est pour le communisme, peut-être. Ouais, non, vraiment pas fou, hein. De Vienne, non. Ah, Prague, là... Là, ça commence à mettre la barre à un certain, une certaine hauteur, quand même. Hein. Là, ouais. Là, franchement, Prague... Bah, je le mettrais bien là, quoi. Il est quand même bien... Bien pimpant, ce petit sapin. Après, nous avons... Oula, Cologne, Germanie... Oula. Oh, c'est Space. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans cette photo, en fait. Enfin, que les éléments, ils sont pas censés être aussi près... C'est très perturbant. Face à Prague, reste à Prague. Et on va mettre trop ou pas assez. Ouais, Cologne, là... Ça aurait pu être beau. Berlin. Là, on retrouve une touch de Vienne, hein, ici, hein, sur Berlin. Et quoi, c'est Basel? On en est où, là? Cologne. Berlin, c'est quoi, ça se dit Basel ou j'ai raté un truc? Il est où Berlin? C'est Basel, c'est ça?
J'ai raté Berlin. Bah, je sais pas, j'ai un Basel. C'est après Basel? Ouais. Raté Berlin. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il était pas très très beau. Basel, c'est Switzerland. C'est la Suisse. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Ouais, plutôt comme ça. La Suisse. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Mais qui essaie de faire l'accent suisse. Un peu compliqué. Hein. Un peu compliqué. Aussi, je vais à un moment d'égarement. Ouais, c'est pas grave. Bon, alors, le sapin de Bâle, bon, non. Non, mais sérieux, quoi. En plus, on est quand même sur les plus beaux sapins d'Europe. Hein. Ah! Tbilisi! Tbilisi? C'est pas mal. Y'a pas un trou à balle? Oh, il doit pas y en avoir qu'un, va. Tbilisi? Pas mal du tout, Tbilisi. Ouais. En Géorgie. Ouais, c'est. Franchement, c'est propre, hein. C'est propre. J'aime bien. Warsaw en Pologne. Ouais, pas transcendant. Hein. Ah, il fait classique. Ouais. Warsaw. Avec mon pays, ouais, bon, c'est bon. Ils savent pas faire des sapins, ils savent pas faire des sapins. Hein. Kiev en Ukraine, c'est pas mal. Moi, je passe vite. Mais bon, on peut apprécier. Bien décoré, classique. Mais bien, bien lumineux, bien coloré. On aime bien. On aime bien. On apprécie. Ensuite, on a Rome, Italie. Ouais, là, les couleurs, j'ai un peu plus de mal. Mais tu vois, là, c'est la lumière jaune, c'est chaleureux et tout. La lumière blanc, là, ça. Ouais, c'est. Ça attriste un peu. Hein. Heureusement qu'on est sur les plus beaux sapins d'Europe. Hein. Innsbruck, Autria. Pourquoi Après, je juge plus les décorations que le sapin en lui-même. Hein. Là, le sapin en soi, il est bien, hein, mais la décoration, c'est jeune, quoi. Enfin, j'aime bien le jeune, mais bon. Innsbruck, Austria? Moi, je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas. Du coup, c'est pas grave. Bruxelles, Belgium. Pas grave. De toute façon, ils étaient pas fous. Ouais, ok. On dirait qu'il y a des tentacules dans l'arbre. Pourquoi pas? C'est tous ceux qui ont un cœur, ils sont super mal classés, quoi, bravo. Ensuite, on a Frankfurt. Frankfurt! Les tentacules, ouais. C'est ça. Bah non, du coup. Trop ou pas assez, ouais, je sais pas, y'a un truc qui va pas. Tallinn. Tallinn. Estonia. Ouais, je le trouve pas déconnant. Classique. Mais pas déconnant. Je vais aller trop vite, ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Tallinn, on va dire pas mal. Pas mal du tout. Ah, j'essaie d'équilibrer un peu parce que sinon tout va être nul quoi. York en Angleterre. Wow, le monde qu'il y a. Genre les gens ils ont jamais vu un sapin de leur vie en Angleterre quoi. Ok, ça marche, des bisous mon petit Yoshix. Mon petit Yoshix. Des petits bisous. Ouais, pop. J'ai pas l'impression que ce soit super grand. Oh, c'est terrible. Hein. Des bisous YouTube. Hein. Des bisous YouTube. Stockholm ensuite. Ah, Stockholm quand même. Ouais, c'est pas déconnant. Hein. Bon, la photo est belle aussi.
bien joué au photographe, quoi. Mais le sapin en soi, ouais, c'est pas mal. Il y a eu du boulot. Pas mal du tout. Ensuite, on part à Brasov. Romania. Là, même le sapin, il est triste, quoi. C'est... Après, c'est bien... C'est bien enguirlandé. Le sapin a l'air triste. Ouais, le sapin a l'air triste. Ouais. Lui, il voulait pas être en Roumanie, je pense. Oula! Paris, France. Oh putain! Ah non! Je m'attendais pas à voir ça. Hein. Oh! Ah, c'est une destination pour les fans de Noël, Paris. Bah putain. C'est pas parce qu'il y a un beau sapin qu'il faut... c'est pas parce qu'il y a un beau sapin que c'est la destination de rêve. Hein. C'est fake, mais ça donne envie d'aller voir. Bah, je pense pas que ce soit fake. Après, il est beau quand même, hein. On va mettre pas mal du tout. C'est en soi, après, c'est pas vraiment un vrai sapin, quoi. J'avais un pote qui avait accroché ce sapin comme ça au plafond pour pas que son chat saute dedans et le fasse tomber. Les Galeries Lafayette. On sait rien, je connais pas un grand connaisseur de Paris. Hein. Amsterdam. Ouais, Amsterdam, la tristesse aussi, là. Hein. J'ai l'impression que je suis difficile en classement de sapin. Hambourg. En fait, les villes, elles pourraient faire des trucs de fou avec le sapin et c'est de la merde en fait. C'est vraiment trop simple. Ah, Londres. Enfin, tu vois là, on arrive sur quelque chose. Alors oui, il y a plus trop le sapin naturel, mais. Mais c'est plus joli, quoi. Et plus écologique, en plus, on tue pas un arbre. Parfait. Monte Carlo. Ouais, alors là, le sapin, il déborde un peu, quand même. Hein. Je peux te poster mon mien sur Discord. Ouais, bien sûr. Vas-y, vas-y. Monte Carlo, puis même le sapin, il fait triste, quoi. Ouais, bah là, c'est dur de trouver un top 1. Hein. Munich en 24. Oh non, mais. Allez, moi, on m'a dit le meilleur pour la fin. Ah, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Pour le coup, la Pologne, solide, hein. Bon, ça va jouer entre Vilnius et Prague. Hein. 5 et 7. Alors, attendez. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, entre celui-là... En fait, j'aime beaucoup les couleurs. Hein. Blanc, bleu, comme ça, c'est... Enfin, j'adore cette couleur. Et le 7... Oh, il était bien décoré. Après celui-là, j'hésitais entre 2 et 3, je l'ai mis en 2. Ouais, je pense que top 1, Vilnius en Lituanie, hein, 100%. Pour toi, 7, celui-là. Après, il est bien décoré, mais ouais, je préfère l'autre. Enfin, c'est la couleur, franchement, la couleur, ça... Ça envoie du pâté. Du coup, 5 en tête. Et voilà, le classement des sapins de Noël. Vilnius, le premier. Il est beau, il est frais. C'est pour toi, YouTube. Enfin, plein de bisous à toi, mon YouTube. Des bisous, et on se retrouve demain pour l'avant-dernière tier list. Déjà, que le temps passe vite quand on s'amuse. Des bisous, YouTube, ciao.